match dans cet Euro pour les deux équipes. Un moment très important, évidemment. Bonjour à tous, quel plaisir de se retrouver ici. Nous sommes dans l'un des meilleurs stades au monde, le BVB Stadion. La team Dada est toujours ravie de vous retrouver pour vous faire vivre ce bel événement. Première rencontre de groupe dans cette Euro 2024. La Turquie affronte la Géorgie. Avantage, l'arbitre laisse jouer. Ah, le ballon circule bien dans le camp adverse. Facile dans les bras du gardien. Cavesi. On voit bien sur ce ralenti que le tiki-taka, c'est d'abord une manière d'attaquer avec le ballon et de marquer des buts. Ce n'est pas une position stérile comme on dit souvent. Ce petit festival au milieu de la défense, et puis on peut admirer tout particulièrement ses qualités à la finition de l'action. Après un tel sprint, ce n'est pas évident d'avoir encore toute la sérénité pour bien conclure. Et une bonne transition en attaque à négocier. Et un peu lent le repli défensif sur ce contre. Et le gardien intervient comme il se doit. Corner à celui. Le ballon est dégagé. Peut-être un bon contre à négocier là. C'était la distance typique pour Juninho dans les années 2000 avec une trajectoire flottante magnifique. Fin du temps réglementaire, on en reste là avec cette victoire à domicile. Et oui, quel match, quel succès! La victoire se laisse séduire par le talent. C'est le plus beau des spectacles. Ces réseaux sociaux vont exploser. Quel match, quelle performance incroyable!
On l'a senti à la hauteur pendant tout le match. Il n'y a pas eu d'absence ou de baisse de régime. C'est un doublé réalisé avec détermination, rigueur et maestrie.